L'événement de ce journal, c'est cet album et cette chanson que David Hallyday vient de sortir en duo avec son père, l'immense Johnny. Les deux sont exceptionnellement réunis sur un titre que vous connaissez bien. Et il a accepté de nous recevoir en exclusivité sur le tournage du clip. Forcément, c'est émouvant et ça le sera pour les fans. Reportage de Marie Croxel et Séverine Fortin. Il l'avait composé pour son père et signé l'un de ses plus grands succès. Comme si les battements de nos cœurs étaient sur la même longueur d'onde, les lignes de... Aujourd'hui, il mêle sa voix à celle de Johnny. Tu me renvoies comme un miroir, mes doutes et mes éclats de rire. Dans cette salle de billard, le tournage du clip ramène David Hallyday 25 ans en arrière. Moi, je vivais encore aux États-Unis, donc on va dire que toute cette période nous a permis de se retrouver, en fait, et à passer des moments ensemble, d'intimité. Et donc, que ce soit l'enregistrement de l'album ou le tournage du clip, nous étions, lui et moi, émus de faire ça ensemble, parce que c'était la première fois. Du clip original, il a gardé le décor et l'esprit. On a voulu, par exemple, reprendre un petit peu les mêmes accessoires qu'il y avait, dont on pourrait éventuellement se souvenir, comme cette canne de billard. Une canne gravée aux initiales de son père, l'un des multiples symboles d'une histoire de transmission désormais incarnée avec son propre fils, Cameron. Au total, l'album conçu pour la scène comprendra 15 titres. Des reprises de tubes issues de son répertoire et de celui de son père. Le projet a mûri pendant plus de 2 ans. C'est un peu un boulot d'équilibriste, c'est-à-dire ne pas travestir les chansons, parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas reconnaître une chanson, surtout quand on connaît ses chansons par cœur. Donc il s'agit de présenter quand même quelque chose de plus moderne quelque part, mais en essayant de garder l'émotion. De son propre aveu, son plus grand défi artistique et personnel. Sur scène, certains morceaux auront assurément une saveur particulière.